Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, j'ai reçu Fifille. Non, j'ai pas reçu Fifille, mais elle vient vous dire bonjour. Elle dormait. Hein. J'ai reçu ma commande de chez Amazon du carnet de coloriage d'Emmanuel Colin. Voilà, donc c'est le Wild 1, donc le numéro 1. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc en tout, il y a dedans, alors 1, 2, 3, 4, 5, 10, il y a 14 coloriages qui sont en double. Donc en tout, il y a 28 pages. Donc vous retrouvez deux fois chaque coloriage dans ce livre. Voilà. Donc ce qui fait que bah, soit vous les, quand vous êtes à deux à la maison, si vous les coloriez à deux, bah, vous les partagez. Ou alors vous pouvez faire deux versions de coloriage si vous le souhaitez. Voilà. Donc je vais vous montrer les dessins qu'il y a dans ce carnet. Voilà. Donc c'est un carnet à spirale. Donc c'est bien pour... Pour tourner les pages, voilà. J'aime beaucoup. Alors du coup là, ça va faire c'est un plus petite dimension que les feuilles que moi j'imprimais, mais bon, c'est tout aussi bien. Alors je vais vous changer la caméra. Je vais revenir sur ma caméra au lieu du téléphone pour vous montrer des dessins. Donc voilà, donc ce sont des pages, alors c'est des feuilles qui sont en 250 grammes, voilà. Donc comme je vous disais, il y a 28 dessins en tout, donc 14 x 2. Et la taille, alors est-ce que c'est marqué quelque part? Je vais l'enlever. Je crois que c'est du 20 sur 20, c'est pas marqué. Et là, j'ai pas de règle sous la main. Mais je crois que ça doit être du 20 sur 20. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous voyez, c'est avec des spirales. Hop. Donc, voilà le premier dessin. Ils sont tous très jolis, hein, comme d'habitude, comme tous les dessins d'Emmanuel Colin. Donc, c'est des feuilles vraiment très épaisses. Voici le deuxième. J'aime beaucoup celui-là aussi. Avec le petit oiseau. Ici, avec le petit escargot. Voilà. Un petit oiseau dans la fleur. Alors ici on a une petite grenouille. Alors celle-ci, vous vous rappelez, je l'avais déjà faite. Mais bon, c'est rien, je la referai. Mais du coup, je la referai d'une autre couleur de ce que j'avais fait déjà. Allez, hop. Ici, je la trouve très jolie avec les tournesols. Voilà, attraper mes pages ici avec un joli lisse dans ses cheveux. Celle-ci, donc avec une jolie libellule, des coquelicots. Celle-là est très jolie aussi. Donc, pareil, avec un petit oiseau. Là, donc, ça va être, celle-ci va être faite avec, donc, j'ai jamais fait là, mais bon, ce sera avec un visage beaucoup plus foncé. Mais ce sera l'occasion, justement, de le faire.
Ici, un peu le style d'une petite indienne avec les yeux entourés de maquillage. Allez, viens, la page. Et alors, est-ce que ça... Et voilà, et on arrive. Donc, les pages reviennent. Voyez, donc ça, c'est le deuxième lot, ce sont les mêmes. Voilà. Donc ça permet de refaire, mais avec une autre couleur, par exemple. J'avais pas vu dans les tournesols, il y a un petit insecte. Je ne sais plus comment c'est son nom. Quand je le ferai, ben, je retrouverai le nom, je vous le dirai. Voilà, donc celui avec la libellule. Voilà. Et voilà. Donc là, on est arrivé à la fin. Donc, ce qu'il y a en plus, alors ici, on a un petit pointillé sur chaque page, ce qui fait qu'on peut détacher les pages sur le pointillé. Si on veut se les garder autrement, dans un classeur, vous les encadrez, ou, enfin vous faites ce que vous voulez. Enfin, vous avez un petit pointillé à chaque page pour pouvoir les enlever du cahier. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est la collection Avenue Mandarine, donc coloriage Wild, donc Emmanuel Collin. Donc ça c'est le numéro 1. Un petit peu à la fois, je prendrai les autres. Donc, je regardais s'il y avait des choses que je pouvais vous dire. Non. C'est juste marqué que ça ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Mais bon, je ne vois pas un enfant de moins de 3 ans faire ça. Alors, le papier, c'est du Clairefontaine. Voilà, je cherchais ce que c'était comme papier. Donc, c'est du très bon papier. Clairefontaine, c'est vraiment du très, très bon papier. Et donc c'est ça vient de France, mais bon, c'est pas fabriqué en France par contre. C'est fabriqué, alors made in Morocco. Alors Morocco, je pense que ça doit vouloir dire Maroc. Mais bon, c'est pas grave, ça s'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous présenter donc le carnet de coloriage d'Emmanuel Collin. Voilà, donc je vais prendre de grand plaisir à le colorier avec vous dans les différentes vidéos. Et j'espère que ça vous plaira de continuer à suivre ces coloriages. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir le retrouver, ainsi que les autres cahiers, les autres carnets de coloriage. D'Emmanuel Collin, je vous mettrai donc il y a 5 livres, 5 carnets si je ne me trompe pas. Donc je mettrai le lien des 5 carnets si vous voulez les retrouver. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt!